bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision de partout où nous suivez. Nous vous disons merci et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 5 février 2024. Monsieur Georges, notre invité du jour, citoyen congolais. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour, monsieur David, et bonjour tout le monde. Bonjour tous les Congolais. Bonjour, bonjour, bonjour tout. Et même les amis du Congo, de la RDC, bonjour les Congolais, bonjour les Nord-Kivusiens, bonjour les Gomatraciens, bonjour les amis de Sake, de Chacha, de Bweremana, les amis de Mushaki, de Kilolirwe, de Kichanga, de Mweso, de Butembo, de Beni, de Bunia, de Kisangani, de Bukavu, de Lubumbashi, du Congo central. De Kinshasa, surtout les amis de Kinshasa et la classe politique qui pourra me suivre à ce nouveau numéro. Je vous demande une bonne et un bon suivi de cette petite discussion politique. Monsieur Georges, avant de commencer, nous voudrions bien savoir si vous allez bien. Moi personnellement, je vais très 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 bien. Tout va bien. On va commencer avec la situation de Chacha, comme vous l'aviez parlé, vous les aviez salués au départ dans vos propos. La situation de Chacha, les M23 dans la cité de Chacha, qu'est-ce que vous parlez sur cette situation? Tout d'abord, je vais faire une mise au point. Chacha n'est pas assiégé par les M23. À l'heure même où je vous parle, les motos qui vont de Goma vers Minova sont opérationnelles. Chacha a été vidé avant d'hier par la population à cause des détonations très très lourdes qui étaient presque à la proximité de la cité de Chacha. Et cela a créé une psychose. La population, même certains éléments des FADC, ont abandonné la cité. Mais tôt Hier, les après-midi et tôt ce matin, la situation a été récupérée et a été encore normalisée. À l'heure où je vous parle, Sake, Chacha, Kiroche, Bweremana, Minova, la route est opérationnelle. Croyez-moi, essayez même de consulter les amis qui sont à Chacha, les amis qui sont à Bweremana, les amis qui sont à Minova. Ils vont vous confirmer ce que je suis en train de déclarer tout haut ce matin. Cependant, chers Congolais, surtout nous frères de Goma, nous devons éviter les fake news. Nous devons être la population la plus informée de la situation de la guerre. Parce que certains parmi nous sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. L'ennemi a multiplié plusieurs informations sur la toile pour désorienter et surtout, semer une psychose dans la population pour qu'ils entrent facilement dans certains endroits même dont ils n'étaient même pas capables de franchir. C'est pourquoi Gomatrancien. L'information ne peut pas venir de Butembo avant d'abord venir de Goma. Vous devez éviter cela. L'information ne peut pas venir de Goma avant de venir de Sake. Vous devez éviter cela. Comment quelqu'un de Goma peut être plus informé de Chacha que celui de Sake? Comment quelqu'un de Bweremana, comment quelqu'un de Minova pourrait être informé de Chacha plus que celui de Bweremana? C'est impossible. Mais aussi les officiels, c'est une recommandation. Essayez de contrôler les informations. Nous sommes en train de vouloir semer une psychose de notre propre malheur. La psychose ne bénéficie pas au peuple congolais, mais plutôt ça crée son propre malheur. Les autorités de l'état de siège. Quittez aussi dans le silence et quand même prononcez-vous aussi. On vous attend aussi, on attend aussi votre déclaration. Essayez quand même de fixer l'opinion sur ce qui se passe dans la région. Quand vous restez dans le silence, dans l'oubliette,
vous créez dans la population quelque chose qui paraîtrait à vouloir déborder vers ce qu'on appelle prise de Goma, alors que ça, nous ne sommes même pas là. Communicateur du gouverneur, gouverneur vous-même, maire de la ville, quittez le silence, essayez de nous éclairer, essayez d'être communicateur, surtout à des moments comme celui-ci, c'est très important. Pour clore ce point de Chacha, Chacha n'est pas assiégé par le M23. Par contre, à l'heure où je vous parle, les plateaux, les montagnes qui surplombent Chacha, Bweremana, ailleurs, Colline Mouremoure, c'est là que d'ailleurs se passent les affrontements pour le moment. Même les avions venaient de faire un grand travail sur ces collines-là. Il n'y a même pas 2 heures. Déplacement massif de la population depuis le samedi. La population a fait un mouvement qui a ajouté presque tout le monde. Nord Kivu, il y a des personnes qui ont quitté leur déplacement de Bweremana, de Saki et tout le reste. D'autres sont venus dans la ville de Goma. Est-ce qu'on peut noter que les mécanismes que M23 utilise sont plus forts que celles des FARDC? Je dirais pas du tout. Les mécanismes que, disons, les stratégies qu'utilise l'ennemi ne sont pas plus meilleures que les nôtres. Mais cependant, il y a un problème, peut-être, moi ce que je peux appeler problème d'homme. Il y a problème d'homme dans notre commandement. Il faut peut-être là, il faut encore recadrer certaines remarques. Nous devons, bon, moi je suis Georges, je suis civil. Je peux être inquiété quand même. Attaque civile, habitat de Goma. Imaginez l'armée qui a fait des replis stratégiques à partir de Bunagana jusqu'à même dans l'entrée de Chacha. Et on ne fait qu'une bande de terre. Donc vous quittez Bunagana. Quand vous quittez Bunagana, je vais décrire. Vous quittez Bunagana, vous arrivez à Rutshuru centre, vous allez vers Tongo. Vous laissez Buito profond, vous allez vers Kichanga. Encore, vous laissez Massisi profond, vous prenez la route et vous contournez vers Mushake, Karuba, Chacha. C'est quand même. C'est comme si c'était une balle. C'est comme si un chemin, une trajectoire donc tracée, là où est autorisé que seulement l'ennemi peut vivre. Et pourtant, à l'est comme à l'ouest, ce sont des bastions. Je dirais peut-être ce sont des espaces contrôlés par le gouvernement. Pourquoi ne pas restreindre cette bande ou soit la couper à des morceaux? C'est pourquoi moi j'ai dit peut-être, au sein du commandement, il y a certains problèmes, Est-ce que ça peut noter que le gouvernement a échoué? C'est-à-dire, moi je ne dis pas le gouvernement, mais plutôt. Vous savez, le gouvernement, c'est autre que. Peut-être les commandements. Nous devons quand même avoir des vocabulaires. Nous devons avoir des vocabulaires bien appropriés. Et d'ailleurs, même je ne dis pas que les commandements aient échoué. Seulement, je suis en train de me demander comment vous laissez au M23 une bande de terre, portion de Bunagana jusque vers Karuba. Cette bande. Alors que Matanda, ça que c'est pour nous. Alors que, disons, alors que Kibumba et Mabenga, c'est pour nous. Pourquoi laisser cette bande de terre? Cette bande de terre. Alors que, voyez cette bande, la bande qui va de Bunagana jusqu'à aller vers Chacha, contourner la ville de Goma et dans le parc. Ça inquiète nos services. Disons, le commandement doit quand même être fixé sur ce point-là. Autre chose, les militaires, ils sont nos autorités aujourd'hui dans la province. Ils doivent aussi, surtout à des moments comme celle-ci, doivent être les premiers à communiquer. Parce que la population, quand elle n'est pas fixée sur certains points, elle peut aller dans la débandade.
Alors que... mais monsieur Georges, dans le village où les M23 tentaient d'occuper, où est-ce qu'ils tirent la force dans ce village de conquérir ce village? Je ne sais pas si vous me captez. Donc, très bien. Je pense que je ne vois pas où tire la force. Est-ce qu'ils ont le soutien de certaines populations, de certains villages? Il semblerait, je l'ai appris dans les réseaux sociaux, je ne confirme pas ça, il semblerait que dans les Ouazalendou, il y a déjà deux groupes. Il y a un groupe de Ouazalendou qui serait au service de l'ennemi, qui d'ailleurs cherche à pouvoir paniquer la population. Une partie de Ouazalendou, d'ailleurs on l'a précisé, de Nyatoura, une partie de Nyatoura serait déjà au service de l'ennemi. Effectivement, c'est dans la région où se passent les affrontements aujourd'hui. C'est dans la région de Chacha, de Kitouvo, de Karuba et ailleurs. Alors, s'il s'avérait vrai, quand même les Ouazalendou ne peuvent pas quand même aller encore du côté de l'ennemi. C'est une honte. S'il s'avérait vrai, j'ai dit au conditionnel, je ne précise pas, attention. Ne pas me suivre, ne pas me prendre au mot. Je ne précise pas. Mais il semblerait que une partie de Nyatoura serait au service de l'ennemi. Raison pour laquelle il y a une sorte de psychose, de zizanie sur les lignes de front vers Chacha, vers Karuba. Mais à ce que je sens, ceux qui font la guerre, ils le font avec technique. Ils ont fait des études pour faire la guerre. Moi, je suis un non-initié. Je ne suis qu'un simple citoyen qui ne s'y connaît absolument rien. Alors, je ne saurais pas répondre à des questions techniques comme celle-là, qui précise comment faire la guerre, pourquoi ceci. Mais une question de curiosité, pourquoi laisser au M23 seulement une bande contournant les parcs comme ça, alors que des parcs d'entre nous sommes... On va y revenir, monsieur Georges. Jusqu'à présent, il y a des appels qu'on fait appel au gouvernement congolais de pouvoir dialoguer avec le M23. Jusqu'à présent, le gouvernement congolais reste catégorique dans ses propos. Est-ce qu'on peut noter de son côté, est-ce que le gouvernement congolais a mis son orgueil devant au lieu de passer au dialogue? Ce n'est pas l'orgueil. Est-ce que pour la souveraineté de l'État, il faut vraiment toujours céder à toute demande? Je ne vois pas quelle république aux États-Unis dans la République qui peut céder à un dialogue quand on est en train de... Est-ce que vous savez très bien, monsieur David, dans quel pays du monde, même aux États-Unis, est-ce que Biden ne peut accepter de négocier avec quelqu'un qui a envahi, par exemple, un de ses États? Est-ce que la France, Macron, avec tout ce gouvernement, peuvent accepter que d'aller négocier quand la Lorraine est déjà prise, est déjà assiégée? Est-ce que l'Angleterre peut accepter d'aller négocier quand l'Écosse est déjà assiégée? Est-ce que le Japon peut accepter d'aller négocier quand, par exemple, Nippon est déjà assiégé? Nippon, c'est une des îles du Japon. Est-ce que la Chine peut aller négocier, par exemple, quand il y a, par exemple, un territoire de Chine, Shanghai, par exemple, est déjà assiégé? Est-ce que le Rwanda peut aller accepter négocier quand Rubavu est assiégé? Toutes ces questions mérite des réponses justes. Tshisekedi, moi je suis derrière vous, je trouve que vous êtes l'homme qui nous a été envoyé par Dieu. Toutes ces demandes-là, ce qui nous demande d'aller négocier, ce sont ceux-là qui donnent au Rwanda la force, qui fournit au Rwanda des matériels. Mais ils seront confondus. Cette fois-là, ils seront tellement confondus. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de nous surarmer, de nous matérialiser, d'acquérir, de faire l'acquisition des matériels. Ce n'est pas pour rien. On ne peut pas négocier et on ne négociera jamais.
Et d'ailleurs, je sais, cette guerre, vous savez, nous, chez nous, dans les soyez de chez nous, on a toujours dit ceci. Ngoma et Kassé, Massana, aujourd'hui, est à Pasouka. C'est-à-dire? À d'autres termes, quand vous trouvez le tam-tam ou le tampou bien raisonné, dites-vous que d'ici là, il sera troué. À d'autres, pour expliquer, quand vous trouvez le M23 aujourd'hui, vouloir monter au créneau, dites-vous que ce sont des clés. Et je les réaffirme, et si quelqu'un a mis le si le gouvernement congolais ne veut plus de dialogue, le M23 ne veut plus se retirer désormais sur les sols congolais, mais il y a des compatriotes congolais qui sont en train de perdre vie jour et nuit. Quelle sera la solution à la fin, monsieur Jean? En fait, dire perdre des vies jour et nuit, c'est ça la guerre. Même les Palestiniens sont en train de mourir parce qu'il y a la guerre. Même en Ukraine, la vie n'est pas rose parce qu'il y a la guerre. C'est pour tout simplement dire, là où, quand il y a la guerre, nous devons accepter aussi les effets de la guerre. C'est normal. Mais la guerre finit bien quand elle prend fin par une frappe. Mais quand vous terminez la guerre par des négociations, alors qu'il n'y a ni vainqueur ni vainqueur, la guerre ne finit jamais. Dans cette optique, est-ce que la guerre ne finit jamais. Quand il n'y a ni vainqueur ni vainqueur, il n'y a pas d'effet de guerre. Est-ce que le gouvernement congolais est capable de le faire vraiment? D'abord, le gouvernement congolais ne négociera jamais avec quiconque. Au travers de son FARDC. Et maintenant, pour le moment, est-ce que réellement les FARDC ne sont pas capables de faire la guerre en M23? Moi, je dis les FARDC sont capables, sont d'ailleurs bien outillés. C'est que c'est peut-être des mécanismes, des techniques d'ajustement, d'ajuster seulement les commandements, c'est tout. Et d'ailleurs, d'ici là, croyez-moi, d'ici là, ils vont voir. Autre chose, conseil que je peux donner aussi au président Félix. Félix, si vous allez me suivre à travers ces numéros, essayez de diminuer la collaboration auprès des anglo-saxons, des américains, ils sont en train de nous embrouiller inutilement. Allez à Russie. Ce n'est pas aussi. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un péché. Ce n'est même pas peut-être une déviation politique. Allez vers les BRICS. Allez vers allez vers les Chinois, les Russes. Les Coréens, les Saoudiens. Hein? Peut-être que la chose va se déclencher d'elle-même. Mais les gens-là qui ne veulent que la mort des autres. Vous savez que toutes les guerres dans ce monde, ce sont les Américains, les Français, les Anglais qui les font. Nulle part, vous apprendrez que la Russie ou la Chine a créé une guerre au monde. Mais les Américains, ils créent des guerres. Je suis très très content des dirigeants de l'Israël. Quand j'ai trouvé que pendant longtemps, les Américains, les Français, les autres trompés, a créé des djihadistes, a créé des islamistes, a créé des terroristes, et puis venir encore pour vouloir faire la guerre contre les islamistes qu'ils eux-mêmes ont créé, ils ont su que ces gens-là sont en train de les tromper. Ils ont créé de nouvelles relations. Tu sais que de créer aussi de nouvelles relations. Nous ne disons pas aussi d'abandonner les relations, mais créer de nouvelles relations pour la population congolaise. Les gens qui ne font que l'hypocrisie, la tromperie, les criminels, méritent l'abandon, méritent peut-être être déclinés. On va parler de la ville de Goma, certaines personnes qui, pour la chaîne d'approvisionnement, Rwanda est la principale chaîne d'approvisionnement. Comment vous trouvez ces temps-là? Rwanda, tout d'abord, la ville de Goma est ouverte à plusieurs voies de sortie. Il y a d'abord le lac Kivu, il y a la route Minova, passant par Chacha, il y a la route Massissi-Sandre qui va vers Walikale, il y a la route Kiloriro-Kichanga qui va vers le Grand Nord et vers Pinga, il y a la route RN4, la route nationale numéro 4 qui va
la principale, la route la plus économique, c'est la route Kibumba, Rutshuru vers Butembo. Mais il y a aussi la route internationale, c'est la grande barrière qui va vers le Rwanda, vers Nairobi, vers Dar es Salaam. Toutes ces routes-là sont là pour nous approvisionner à vivre et même à nécessiter peut-être de tout genre. C'est pour dire tout simplement que la ville est toujours dans ses réalités normales, dans ses ravitaillements normaux. On va finir avec cette question, c'est la toute dernière question avant que vous puissiez lancer un message pour les FARDC. Monsieur Georges, et si ça se faisait que les M23 entrent dans la ville de Goma, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, si réellement, si cela pourra arriver, mais ça n'arrivera jamais. J'insiste, la ville de Goma ne tombera jamais. Mais s'il arrivait que la ville tombait aujourd'hui, c'est un bain de sang. Parce que les M23 ne jurent qu'égorger les gens. Nous connaissons les M23. Ils ont été là en 2012. Il fallait voir comment la ville a été gérée. D'abord, toutes les belles voitures avaient été emportées. Toutes les grandes maisons de l'État, les grands bureaux de l'État ont été démolis. Toutes les grandes personnalités politiques qui étaient restés dans la ville avaient été tués, avaient été massacrés. Et maintenant, alors aujourd'hui, s'ils arrivaient, ce serait grave. Mais, je répète, ils ne verront jamais la ville de Goma. Un message pour les FARDC, monsieur Georges. Pour les FARDC, je vous dis grand merci, les FARDC. Grand merci pour ce travail que vous venez faire, même ce matin. Mais s'il s'avérait que parmi vous il y a des traîtres, ce serait grave. Vraiment, la population ne va pas vous tolérer les traîtres parmi vous. En tout cas, j'insiste. S'il s'avérait vrai que parmi vous il y a des traîtres, c'est grave et c'est gravissime. Votre numéro, monsieur Georges, nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci et c'est la fin de cet entretien avec M. Georges. Bye bye et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.